بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بكم المستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، مرحبا بكل المتتبعين لجميع الدروس التي أقدمها عبر قناة الأحمر كونسوليداسيون، والتي تتمنى لكم دائما التوفيق في مسيرتكم الدراسية والنجاح دائما. Bonjour à tous, bonjour à tous, à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écoliers de la 6e année enseignement fondamental. Il s'agit de la leçon de la production de liquide. Production de liquide. Voilà. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, production de liquide. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Production de liquide, 6e année, enseignement primaire. 6e année, enseignement primaire. L'unité didactique 1, semaine 3 et 4. Page 38. La page 38. Produire un texte à caractère narratif descriptif. Produire un texte, et maintenant, un nus, sardi ou wasfi. Narratif, et maintenant, hakawi, sardi, descriptif, et maintenant, wasfi, yassif. Alors, quand j'observe et je découvre, ulahi ou aktashif. Voilà le texte. Je vais lire le texte d'une manière expressive pour bien le comprendre en l'expliquant. L'été dernier, l'été, vous connaissez l'été, dans l'année, il y a 4 saisons. Il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps. Alors, ici, on parle de l'été. Il y a la façon sèche, mardi. Ma mère et moi. Alors, ma mère et moi. Donc, qui est-ce qui parle ici? C'est moi. Qui est-ce moi? Sommes allés chez ma tante à Paris. Sommes allés. Ça veut dire nous, ma mère et moi, ça veut dire je vais remplacer ma mère et moi par nous. Nous sommes allés, regardez ici la marque du féminin, E accent 1. Donc celui qui parle, c'est le féminin. Donc ma mère, c'est féminin, et moi, c'est le féminin. Donc que représente moi? C'est la narratrice. Rawiya, Natisamilena Adil Kisaada, Adnorisian. C'est la narratrice qui parle, Elle était partie. Elle est partie avec sa maman, bien avec sa mère, à Paris, en France. Alors, l'été dernier, ma mère et moi sommes allés chez ma tante. Ça veut dire que les deux sont partis à Paris ou bien chez qui? Chez leur tante. Alors, regardez la phrase ou bien le texte, il commence par un marqueur temporel qui exprime le passé. Donc, c'est un texte qui parle du passé. Toujours les textes narratifs, ils ont un temps passé. Ils sont faits dans un temps passé. Alors, pendant les 3 premiers jours de notre séjour, pendant les 3 premiers jours de notre séjour, donc le séjour ou l'iqama, donc c'est une expression qui exprime aussi le temps. C'est un indicateur de temps, un indicateur temporel. Alors quoi? Que se passe-t-il? Nous avons visité, voilà le passé composé, c'est une action achevée, nous avons visité, une minute ou bien deux minutes ou bien trois heures, c'est fini. Ce n'est pas comme l'imparfait qui est une action inachevée, qui dure longtemps. Nous avons visité la tour Eiffel, voilà un monument. Notre-Dame de Paris, voilà le deuxième monument. L'Arc de Triomphe, Haus al-Nasr, troisième monument. Le musée du Louvre, Mashaf al-Louvre. Donc, la narratrice et sa mère ont visité 4 monuments célèbres à Paris en France. Aba'at ma'ati ou ma'ali, tarikhia ou shora fi France. Dans ce beau musée, alors la narratrice et sa mère, qu'est-ce qui
ils ont préféré voir? Ils ont préféré voir le musée du Louvre. C'est pourquoi ils ont dit dans ce beau musée, hein, dans ce beau musée, le musée du Louvre, hein, nous avons vu de célèbres tableaux. Le Wahhab Mshoura. Comme quoi? Comme celui de la Joconde de Léonard de Vinci. Alors, Hassan Mshoura, la Joconde de Léonard de Vinci. Alors, le dimanche, voilà un autre marqueur temporel. Le dimanche, nous avons déjeuné dans un joli restaurant. Alors, à midi, ils ont pris le repas du midi, ou bien le déjeuner dans un hôtel très très joli à côté de la rivière de la Seine. Bijan ibn al-Sin. Un restaurant près de la Seine. Près de la Seine. Le soir, c'est un marqueur temporel aussi. Hein, nous nous sommes promenés. Nous nous sommes promenés, ça veut dire ils ont fait une promenade, une randonnée. Une randonnée dans la venue des Champs-Élysées. Dans l'avenue du Manœuvre Chéri, il y a les Champs-Élysées. Le dernier jour du séjour, nous avons visité le quartier Saint-Michel. Nous avons admiré de belles places. Kounamou Jabin, Amaki, de belles places, le Fadaaz. Et surtout, ces bouquinistes, ils sont admirés, ça veut dire qu'ils ont admiré quoi? Les belles places et surtout les bouquinistes. Alors, les bouquinistes, ce sont des revendeurs, ce n'est pas vendeurs, revendeurs de livres d'occasion ou bien des anciens. Ben, elle continue le Kadima ou Moussamel. Par contre, celui qui vend les livres neufs, on l'appelle le libraire. Donc il y a une différence entre le libraire et le bouquiniste. Alors, ces bouquinistes installés au bord, aux abords de la Seine, ça veut dire qu'ils vendent les livres anciens, occasion, après de la Seine, près de la Seine, du Manana, Sina, c'était pour ma mère et moi un merveilleux voyage inoubliable. Donc, pour Nanara et sa maman, ils ont passé un bon voyage. Ils ont passé un bon voyage de 4 jours, je crois, 3 jours et le dernier jour. Donc, ça fait, je crois, que c'est 4 jours qu'ils ont passé à Paris chez leur tante. Bon, voilà le texte. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de ce récit-là. Maintenant, on va passer aux questions. Alors, question, quels sont les personnages du texte? C'est facile, ce sont deux personnages, la narratrice et sa mère. La narratrice et sa mère. Rawiya quoi, Oma. Où ces personnages sont-ils allés? Sont-ils allés en vacances, en voyage? Où sont-ils allés en voyage? Ils sont allés à Paris, chez leur tante. Quand? L'été dernier. Donc, le lieu, chez la tante à Paris, le temps. L'été dernier, voilà les deux questions. Dans quelle partie du texte trouve-t-on les réponses aux questions 1 et 2? Alors, donc, les questions 1 et 2, ça veut dire les personnages, la narratrice et sa mère. Deuxièmement, ils sont partis à Paris chez leur tante l'été dernier. Ils se trouvent dans la première, voilà, ils se trouvent dans la première phrase depuis l'été dernier jusqu'à ici, dans la première partie du texte. La première partie. Dans la première partie, dans la première phrase, bien dans la première partie du texte, dans la première phrase. Relève les indicateurs de temps utilisés dans le texte. Alors, les indicateurs de temps utilisés dans le texte, ce sont les mots soulignés l'été dernier, pendant les 3 premiers jours de notre séjour, le dimanche, hein, le soir, etc. Puis le dernier jour, etc. Voilà. Donc, je vais écrire sur l'autre tableau les indicateurs de temps pour bien les savoir et les lire. Bien, je termine l'explication.
les indicateurs de temps. L'été dernier, pendant les trois premiers jours, pendant les trois premiers jours de notre séjour, le dimanche et le soir, le dernier jour, ce sont des marqueurs temporaires, ce sont des indicateurs de temps, Moshérez Zemel. Dans quel ordre des actions effectuées par les personnages sont-elles citées dans le texte? Dans quel ordre? Alors, elles sont citées dans l'ordre chronologique. Ça veut dire dans l'ordre chronologique. Les actions se suivent une après l'autre. Elles se suivent après, une après l'autre selon les indicateurs de temps. Alors, passons maintenant à grand je m'entraîne à cette erreur. Aide-toi du texte, aide-toi. Saïd, nafsak ma'a bien dit qita, bien dit ici, pour raconter en cinq lignes au moins un voyage que tu as fait ou bien que tu as effectué en compagnie de tes parents. Mais malheureusement, ça va, mais à nous, ça va dire, qu'il n'a pas de film chez ou je ne sais pas, ou même moi-même, il y a des. Alors, j'ai fait trois produits, pour choisir un parmi les trois. Le premier, le dimanche dernier, je suis allé avec mes parents à Rabat. Donc voilà, Rabat, c'est la capitale du Maroc administrative, la capitale administrative de notre pays, le Maroc. Donc voilà, il faut savoir ça. Hein? Pourquoi? Parce que Rabat, c'est une capitale administrative, Fès, c'est une capitale culturelle, et Casablanca, c'est une capitale industrielle du Maroc. Nous avons vu la tour Hissène, voilà, et nous avons vu le musée de Mohamed V. Donc voilà, deux monuments très célèbres à Rabat. Le mausolée Mohamed V et la tour Hissène, ce sont deux monuments, ma'alim tarikhiyah chorafi à Rabat. La ville de Rabat. Ce sont les plus célèbres de la ville de Rabat. Le soir, voilà, un marqueur temporel. Les actions se suivent une après l'autre. Le soir, nous avons fait une randonnée, ça veut dire une promenade dans l'ancienne Médina. Dans l'ancienne Médina, la Médina Qadima. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons admiré son architecture, la Mu'jabin, avec le Mi'mar de la Médina Qadima, et ses meilleurs objets artisanaux. C'était vraiment un beau voyage magnifique. Donc, c'est un beau voyage que nous avons passé à Rabat en visitant la tour Hissène et le musée de Mohamed V. Voilà. Je passe à notre tableau pour vous présenter le. Bon, je termine. Alors voilà le premier. Je produis. Hein. Maintenant, je vais vous présenter la production de. Alors, l'été dernier, mes parents et moi sommes voyagés à Ouarzazate. Vous connaissez Ouarzazate, c'est une ville qui se trouve au sud du Maroc. Nous avons visité la Casbah de Taouriz, c'est un monument très historique, hein, très connu, très célèbre à Ouarzazate, qui est le symbole de cette ville, Ramz. La Casbah de Taouriz. C'est voilé. Le vallée, c'est palmeré, vaste et ses villages traditionnels. Donc le village, donc le Qura, le Kadima, le Mebniya, Bitchora, construit en terre et de couleur rougeâtre. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le charme de ces villages, la couleur. La Casbah, tout ça font le charme de cette région. Ils font le charme de cette région. Donc, je termine sur le tableau. Attendez-moi, s'il vous plaît. Bon, voilà. Alors, nous avons dit que la Casbah de Taouriz, avec les villages traditionnels qui sont construits en terre, et avec la couleur rougeâtre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le charme de cette région. Ça veut dire, cette construction, ils rendent la ville de Ouarzazate. Ils lui donnent un charme. Ils lui donnent un charme à cette région-là. C'était vraiment un bon séjour extraordinaire et immobilier. Donc la visite à Ouarzazate, à la Casbah de Taouriz, avec les vallées, avec les villages traditionnels construits en terre, c'est vraiment un bon séjour à Ouarzazate, extraordinaire et immobilier. Donc voilà la production numéro 2. Et maintenant, je vais vous présenter la production numéro 3. Le mois passé, c'est un marqueur temporel qui exprime le passé, un indicateur de temps. Moi et ma famille sont partis à Emilchine,
Médine. C'est une région très connue dans le sud du Maroc, si vous voulez, à l'ouest de la région de Rich, hein, à l'ouest de la ville de Rich, dans la province de Médine. Donc la ville de Rich se trouve dans la province de Médine. Et Médine, c'est une région qui se trouve à l'ouest de Rich, à l'ouest de Rich. Nous avons visité le festival du mariage. مهرجان ديال الخطوبة أو لا ما نسميه به الموسم دو مارياج كي سو في اون فوا بار ان سي ان مارياج سي ان موسم سي ان فيستيفال كي سو في اون فوا بار ان اون فوا بار ان بمعنى مرة في العام وبالخصوص في الشهر سبتمبر اون فوا بار ان لو موا سبتمبر لي فيزيتور سو ديريج فيغ ايميتشين بور اسيستي à ce festival-là, très connu, très célèbre au Maroc. Nous avons fait des photos avec le mari et sa mariée. Hein, nous avons fait des photos avec le mari et sa mariée, avec de beaux habits, avec de beaux habits traditionnels. Hein, avec de beaux habits traditionnels, Le soir, nous avons visité le lac de Isli et d'Isli, qui est très connu aussi à Imilchi, hein, l'histoire d'un amoureux hein, qui est tombé amoureux d'une femme. Pour se marier avec elle, hein, Isli et Isli, c'est un beau paysage, l'histoire d'un amour. Alors, c'est ça qui est le haut, mais le chars, le sida, le nom de Zahab, le bénon. Donc, quand est-ce qu'il s'attendait là, de 4 à 4 bouquins, ça commence à être le lac à la vie d'Isli et Isli, ou ce mot, l'Aris ou l'Arosa. Ce mot, l'Aris ou l'Arosa. Isli et Isli en berbère, là, pour qu'elle m'a dit, je signifie la, le marié et la mariée. Et là, c'est un beau festival célèbre au Maroc. C'est un beau festival, très connu, célèbre au Maroc. Le festival de Moussem de Ibichin, du mariage. Le festival du mariage. Bon, voilà la fin de notre leçon production de l'écrit. En sixième année, j'espère que vous avez bien assisté, vous avez bien suivi avec moi les étapes de cette leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.